Allô Romain! Attends, je vais afficher juste un truc vite fait. Ok, non, c'est bon. Comment ça va, Romain? Et coucou Heroï! Comment ça va, Heroï? Moi ça va très bien Romain, je te remercie. Est-ce que tu avances bien dans Sekiro Romain? Est-ce que ça te plaît? Alors du coup je vais tester un nouveau truc. Je vais tester de partir avec l'épéiste. Histoire de pouvoir tuer le marchand de Seldora assez facilement. Parce que sur Vanilla, donc la hache du bandit que j'utilisais fait moins de dégâts. Par contre, c'est pas le cas de l'épée large de l'épéiste. Donc on va pas avoir l'arc dans la forêt, mais ça devrait pas poser de soucis. Sur Vanilla, j'en ai pas trop besoin. Je devrais être moins embêté par le marchand avec avec cette arme. Reprise lundi, d'accord. Mais écoute, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes Sekiro? Et écoute bien aussi, Roy. J'aime bien, mais je suis pas très bon. Sekiro, c'est, je trouve, le plus difficile sur une première partie et le plus facile ensuite. Sekiro, c'est faire du vélo, tu vois, c'est dur à apprendre, mais une fois que t'es bon, tu peux pas devenir rouillé sur Sekiro, tu vois, ça revient, les réflexes reviennent quasiment automatiquement. C'est l'impression que j'en ai parce que là j'ai rejoué à Sekiro en ce moment. Et les réflexes sur les boss reviennent très 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 vite. Donc alors 1, 2, 3, 4. Voilà, on voit déjà qu'on fait beaucoup plus de dégâts qu'avec la hache. 1, 2, 3, 4. Et on a même de l'enduit pour mettre un cinquième coup. Voilà, ce qui est bien, c'est que le R2, c'est comme la rapière. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es, Romain. Moi, je suis devenu vraiment bon. Après. Ah, j'ai peur de te spoiler du coup, mais non, ça j'ai pas besoin. Donc je me contenterai de dire le boss de. J'ai fait Robelt. Ah oui, d'accord. Moi c'était à partir de Genichiro. Merde, merde, merde. Alors attendez. On va ramener. Alors, je sais pas trop pourquoi ça a bugué. Alors, ce qui est emmerdant par contre avec la PS3, c'est que si ça bug, je peux pas vraiment prouver que j'ai pas pris de hit parce que j'ai pas la fonction capture de la PS5. Ça, c'est chiant. Bon, enfin, il y a assez peu de chances que je me fasse toucher à ma joue là, mais quand même. Hop. Je vais vous rendre le son. Voilà. On va défreeze la webcam.
fait, on va remettre une deuxième. C'est plus simple. Hop. Voilà. Ok, on est reparti. J'ai évité Genichiro, j'ai fait... Ah d'accord. Moi c'est vraiment à partir de... De Genichiro que je suis devenu, bon. Mais bravo pour Jutsu, parce que Jutsu il est pas évident, je trouvais la première fois. Bien que tu passes sur PC, j'aimerais bien pouvoir jouer à Vanilla sur, sur PC. J'aimerais bien pouvoir stream Vanilla sur PC plus précisément, parce que je peux y jouer mais je ne peux pas stream. Ça me faciliterait quand même vachement les choses. Merci Romain pour les encouragements, bonne journée, à plus tard. Et coucou sociopathe. Joyeux samedi à toi, comment tu vas? Ah bah tiens, on parlait de Sekiro justement. On parlait de Sekiro. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais maltraiter par le jeu, sociopathe? Alors j'ai cru voir passer trailer dans le chat. Trailer. Et merci du coup pour les encouragements, passe une bonne après-midi. Là, j'ai pas assez de mémoire. Il y a certains cons de Mikiri qui sont pas évidents à sortir, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. C'était pas un backstab que j'avais envie de faire, mais c'est pas grave. Alors comme on repasse pas par là, on va tout de suite récupérer la pierre de rotonde. Et direction la forêt. C'est ton premier... ta première run Sekiro? Si c'est la première, c'est normal. Si c'est pas la première, bon, c'est le temps que ça revienne, j'imagine. On va aller chercher les crânes. En vrai les crânes je pourrais les acheter juste après avoir tué Moglin, ça irait un petit peu plus vite. C'est pas grave. Ah oui, alors par contre, ah, je vais baisser un petit peu le son de... Le son de la console. Sinon je crois que vous avez du mal à entendre la voix. J'ai joué depuis longtemps mais je m'y suis jamais attardé assez longtemps. D'accord, pour vraiment jouer correctement. Bon, du coup c'est normal alors. Au début tu pues la merde sur Sekiro. Puis il y a un moment où ça y est, ça va rentrer. Et tu vas devenir inarrêtable.
On va remettre ça. Donc j'ai pas du tout testé hein, ce nouveau routing. J'ai plus de stats en dex et en ADP, mais j'en ai beaucoup moins en vigueur. Ce qui risque d'être emmerdant pour les setups RTSR. Donc on va monter la vie. Mais en vrai, à part ça, ça devrait être pas mal. Je pense que c'est pas trop trop grave sur Vanilla de pas avoir l'arc dans la forêt. Alors, je vais attendre que le gars se ramène. Allez, par ici, Coco. Où est-ce que t'en es rendu dans Sekiro? Voilà, l'arc, traditionnellement, je m'en sors, je m'en sers pour le gars avec son bouclier. Mais en vrai, avec cette arme, ça devrait aller. Voilà, on a un moveset de rapière. Château d'Ashina, ouais, ok, t'es au début. Hein. Moi, comme je disais tout à l'heure à Romain, c'est vraiment après avoir fait le boss du château d'Ashina que je suis devenu bon au jeu. Alors, ici, on fait gaffe parce que c'est un nid en merde. Bon, si je vois que les ennemis sont loin et qu'ils me regardent pas, je peux me permettre de balancer un crâne. Si je vois que ça va être la merde, je les attire en bas de l'échelle et je les tue. On s'adapte. On passe sans souci. Ok. Donc la forêt avec cette classe, c'est pas un souci. On va voir si au niveau des âmes j'ai des emmerdes. On va prendre la clé, on va prendre les bombes. Alors on en est à un stade où si on se fait hit on reset hein. Sauf si vraiment on est sur la fin de la run. Mais là comme on a un PB2-1 sur la run Vanilla, ça sert pas à grand chose d'aller au bout si on se fait hit. Yo Dedai. How are you? On monte un petit peu la DP. Yeah, I'm doing fine as well. We've done two very good runs yesterday. One hit on Vanilla, one hit on Scholar. So that's really good. How was your first run
after the baseline for your run. Si je fais pas ça, il va jamais se mettre au travail. Two hits pace, but took two hits to mirror knight. Ah, so now in a mana with four hits. Well, two hits on the All Souls part is pretty good. Did you get hit on Sinner or not? Ready pour Vanilla, je sais pas s'il y a beaucoup de monde là tout de suite, donc on va peut-être attendre un petit peu pour la prédit. Heroi. Qui peut-être prendre quelques petites flèches en plus hein, en vrai. Hop. Je pense qu'on est pas mal. On va y aller. On va récupérer l'anneau aussi. Je dégale sous, ouais ça marche, Hiroi, t'inquiète. Running all bosses really helped me prepare for this one. Yeah, obviously. Even though you will not Ursa 1 is always more challenging than leveled run. I don't know if you've done SR1 before, did I? Vivement la BNHSL1. Aïe aïe aïe. Live. Pas tout de suite, hein. Clairement pas tout de suite. SR1 any person, ok. Was a fifth. GG. So that was a long time ago, right? Ah, coucou Manzo. J'ai failli te rater, t'avais la même couleur que Dedai. Comment tu vas Manzo? Voilà, lui il fallait s'éloigner, hein. C'était ça qu'on s'était dit. Hey Shimu! Salut Shimu! Ursa 1 DLC Deathless? I mean, it's not bad! On est bon! Hop! Ouais, moi ça va très bien! J'ai changé un tout petit peu le début de Vanilla. Voir ce que ça donne, voir si j'ai des emmerdes au niveau des stats, mais je pense pas, ça m'étonnerait quand même. Are you doing runs this weekend, Deadeye? Or are you just going to finish the one you started? Okay, just finishing. And then done, okay. Est-ce que j'ai mis l'anneau? Ouais.
il va pas passer en P2 tout de suite. Hein. Maintenant. I didn't say one of bosses is deathless, it's much harder than any person no hit, to be honest. I mean, DLCs are tough with LC1, right? But GG, Shimu, GG. Je crois que je passe à l'arc ensuite pour le reste. On va récupérer l'os du retour aussi. Yo Trizo, comment tu vas? Je suis allé regarder un petit peu la fin de ta run. J'ai cru comprendre que ça était fini sur un petit rage kit. Non, j'ai pas rage kit. Enfin, t'as fini la run, mais tu l'as faite avec des saves, non? Ah, d'accord, non, ok, t'as juste skip le. Skip un skip. Lalalal. Moi qui pensais que le duc skip, ça y est, c'était régu, sans training. En fait non. Alors qu'est-ce que c'est long, aïe aïe aïe. J'ai l'impression que le passage forêt à la Bastille est particulièrement long en termes de temps de chargement, beaucoup plus que pour d'autres zones. Allez, hey, coucou panda! Comment vas-tu? Non! Ok, on utilisera nos du retour. Tant pis pour le temps de chargement. On utilisera nos du retour. La run se passe à merveille, panda! Salut Akama! Yeah, we're definitely going to reset. C'est dingue. Bon, on claquera un autre du retour, hein. C'est pas grave pour le temps de chargement. On n'est plus à ça près, franchement. And the S1 no bosses, oh yeah. Perfect mastery of the run.
I was surprised because the guy was way closer than usual. And so I wasn't exactly looking at where my feet were. And so I fell. That's going to be my headcanon excuse for that. I died to gravity yesterday, girl. It happens to all of us. Gravity is a bitch for everyone. Comment ça va, Kama? Well, at least it was early into the run. Like I could have died elsewhere. Que 43 split. C'est exactement le même nombre de splits que la Holbo 6 d'ailleurs, 43. Hop. Qu'on change de classe hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début. People come here for the same reason. Oh, it almost happened to me, Shimu. I almost fell off the arena when I was fighting the front duo last time. It was the third game? Holy shit. But I'm sure he got it like 2 days later. Because it's Chilky we're talking about. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai changé la classe. Histoire de pouvoir tuer le marchand de Tseldora beaucoup plus facilement. Oh, he never tried again! Really? I'm actually surprised. Like, I understand it's a heartbreaking death. But knowing Shilky, I'm surprised. Wait. Yeah, that was Shilky. He died to Nash for SM1 pure only, then just drop. That's sad. Shilky is not a grinder. And yet, he did the trilogy old bosses. Ça c'est la strat que j'aime bien faire avec la hache. Mais malheureusement sur la version PS3 je fais pas autant de dégâts donc c'est pas possible de la faire. Donc c'est pour ça que j'ai changé de classe. I'll be around. If he doesn't get a run after a week, he's starting to complain. Yeah, he's not used to having a like he gets his run so fast. Like how long did it take him to get the old boss's Elden Ring? I think it was just a matter of weeks. Yeah, 3 weeks. Really impressive.
Yeah, but that wasn't a lot, right? Yeah, 10 and 15, holy shit. Why are you gonna run fast when you can cry blood from every for a month? Imagine spending 10 fucking months on the Dark Souls 2 bosses. Just imagine. Yeah, I was gonna say that, Shimu. I was hesitating, but I was pretty sure that he got it like first try. Oh ho ho! I wasn't sure if it was the old Great Rune run or the old Remembrance run. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai peur en l'espace d'une seconde. Imagine je me retrouve dans une situation où je chope la rune Vanilla, puis sur Scholar je rate le cheese du mon dragon. Il faut que je le fasse legit. Imagine. See you, Dedai. Hop. Ouais, bonne note, hein. Faut réussir à caser le bone out. Mais ce serait la strat, ouais. On s'amuse à le cheese, mais en vrai, à ce stade du jeu, quand on l'affronte legit, il est assez tanky le con. Hein. J'ai déjà mes crânes, donc direction la forêt immédiatement. Allez, le jeu, merci. On va mettre ça. Il est vraiment un runner étrange de par ses méthodes et sa façon de passer l'heure, mais c'est un monstre, Shilky. C'est toi hein, qui me racontais qu'il avait roulé sur sa découverte de Sekiro. Parce qu'il se faisait défoncer premier try et deuxième try, il roulait sur le boss. On n'a jamais vu son visage d'ailleurs à Shilky. Comment on peut être sûr que c'est pas une intelligence artificielle? Ah, on l'a vu. Merde, la théorie tombe à l'eau. Ils ont une range d'aggro beaucoup moins importante que sur Scholar. J'ai pas trop envie de m'approcher de l'archer.
merci. J'ai des nudes. Ok, ça c'est parfait si ça en va. Hop. Watcha, c'est après moi qu'il en avait là. Tu vas pas me dire que c'est le crâne qui visait avec ce petit saut là. C'est pour ça que j'aime pas les crânes, c'est pas fiable. J'ai récupéré la pierre de rotonde. Ouais, c'est bon, ok. Ah, Béro, bonjour, Amélentia. La clé, les kunai, les bombes. Je vais. Ça va bien se passer, sociopathe. Ça va finir par rentrer. Majula. Si tu veux enterrer quelque chose, par contre, je peux t'envoyer ma copie de DSR. Si jamais t'as envie de sortir. C'est ma manette. Ah pardon, Triso, t'étais toujours là, excuse-moi. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Pizza d'épée, hop. On récupère mon arc bien aimé. On reset pour que le forgeron se mette au travail. Alors, à pierre. Une centaine de flèches. Non, il m'en faut 6. Tac, tac. Rapière plus 1, arc plus 3. On va mettre l'anneau que je n'ai pas récupéré parce que je suis idiot. Hier Triso, ça je pense que je vais le clip. Tu as reconnu que ton jeu pue la pisse. Tu me l'as dit. Clairement. Je vais clip ça. Et je vais le ressortir à chaque fois que tu diras que DSR est bien. Thank you.
Allez, file-moi ton anneau. Je sais plus t'es sur quoi. Je sais même plus, va falloir que je me retape les 4 heures, les 6 heures de stream, mais c'est pas grave. Alors je sais que c'était sur la première run. Je pense que c'était pas sur les gargouilles, une connerie comme ça. Le jeu de gangbang où tu passes ton temps. Ça par contre je suis d'accord que c'est chiant. Sekiro brille sur ses duels. Mais chaque fois qu'ils te mettent en situation où t'es obligé d'affronter 15 mobs si tu veux affronter le mini boss, c'est de la merde. Je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir de faire le boss. DSR Forever. Et dire que c'est avec ce nom de merde que j'ai chopé la run All Bosses. Allez, là. Why are you up so early on a weekend, by the way? If you don't mind me asking. Can't sleep even if I try? Okay. Yeah, you got your body used to waking up early. So now you're having a hard time if you want to sleep later. 7 a.m. on the weekend? Damn. I wake up early, but it's always like 9 a.m. But I guess it also depends when you guys go to sleep. Non, je vais trop placer là, tu me fais peur là. Hop. Je pense, ouais, do you look like retarded if I say what? F instead of the something something, like instead of saying something you say something something. Well, that's a weird way to say it. Ah, je crois que le the il se prononce de façon différente d'un mot à l'autre, mais c'est pas un F quoi. Ou un... Moi je prononce en V the. Ah, je vais pas moquer parce que je faisais un truc similaire en italien
Parce que les Italiens ils roulent le R. Mais moi j'arrive pas à rouler le R. Du coup je prononçais L. Je trouvais que c'était assez proche. Mais en vrai ça reste une prononciation de merde hein. Some redneck shit. Teresa is a redneck, confirm. Bon, on évite de tomber et tout se passera bien. Ouais, je vais claquer mon osure tour. Comme visiblement, je sais pas marcher. On fait bien attention. Hop, voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de branche hein, dans le coffre, hein. C'est pour ça que je vais pas le chercher sur Vanilla. Aucun intérêt. Alors, petite pause. Ah, ma jeu là, non, il n'y a pas de titanite dans le coffre. Même sur Scholar, il n'y en a pas. J'ai récupéré un grand fragment sur la rambarde. Mais dans le coffre, il y a le. Il y a l'anneau de serpent argenté. Mais la version plus 0 et j'ai la version plus 1, donc ce sert à rien d'aller chercher la plus 0. Et je sais pas ce qu'il y a sur Vanilla à la place de la branche. Il y a peut-être une humanité, mais c'est pas. C'est pas très utile. Ah oui non c'est l'arc que je monte, c'est pas la rapière. On passe en plus de 20. On va aller chercher l'anneau de pierre. Ouais, la titanie dans le coffre, c'est dans c'est chez Macduff. Ah ouais, il n'y a pas de poursuivant dans la version Vanilla, sachez-le. C'est assez fou hein, quand même sur Vanilla la difficulté de trouver des grands fragments. Il n'y en a pas énormément quoi. Est-ce que j'ai mis l'anneau? Oui.
en plus 4 jusqu'à la démon du champ, tu termines avec la clé. Ouais, ça fait sens. C'est pas trop chiant la rapière plus 4. Genre, est-ce que tu fais quand même assez de dégâts pour maintenir le chevalier miroir dans sa boucle par exemple? Ok, non, d'accord, tu fais autre chose pour le chevalier miroir. Les 16 plus 0, c'est vraiment mieux que la rapière. Bastille, plus résine magie. Eh ben. Tu le déboîtes. Eh ben. C'est rigolo ça. Vanoxys. Ça va bien, ça va, ça va. Un beau week-end semi-ensoleillé. Comment tu vas, toi? Tu manges. Je sais plus si t'as sport le samedi. Ouais, t'avais sport hein. Je crois que c'est 5 séances dans la semaine et t'as pas sport le jeudi, donc t'as sport le samedi. Allez par ici. C'est pour le Mirror Knight ça. J'ai acheté un œil juste pour rigoler. Ah, je l'ai oublié. I forgot about that fucking dog. That's key. Merci Panda, bonne journée. Merci d'être passé. Forgot about the dog. He's not there in Scholar. I was confused because Dead Eyes talk about the Forlorn. So my mind switched to the Scholar run and I forgot about the dog. Huge copium, yeah, exactly. This shouldn't happen. But that was a nice jump. You can just jump to avoid the dogs, in case you didn't know that. Salut Onizuka! Merde, oula, oh c'est... Ah, je vais avoir des emmerdes moi avec mon baril. Ouais, retour sur DS2. Alors ce qu'on fait maintenant, le défi Onizuka, c'est d'enchaîner Dark Souls 2 Vanilla et Dark Souls 2 Scholar. Tu vas pas me taper à travers la grille toi, on est bien d'accord. Come on.
J'ai terminé DS1, ouais. J'ai fait la run il y a genre une semaine, quelque chose comme ça. Donc on est repassé sur Dark Souls 2, on a un PB de 2 coups. Donc un coup sur Vadia, un coup sur Scholar. Donc là maintenant on va commencer à reset à chaque hit sur la version Vanilla. Merci Onizuka, thanks Deadeye. Ah mais non, mais je peux pas lui parler, sale con. J'ai pas la braise. Alors. Rapière plus 3, arc plus 5. Alors la run des serres est passée, mais elle est vraiment passée au petit bout dans la chance. Hein, il y a eu énormément de dingueries pendant la run. J'aurais dû mourir au moins 10 fois. Sans flèche, je failli crever sous une barre d'ailleurs. Pour la soulever, Vanoxys. Je monte mes stats ou pas? J'ai juste marqué de monter la DP. Ça on n'a pas besoin. Be around if you come back. Le truc c'est qu'il va falloir que je monte la vigueur. Parce que j'en ai beaucoup moins avec cette classe. Au moins 7. Ok. Ok. On va monter à 9 parce que 9 c'est la vigueur du bandit que j'utilise habituellement. Donc comme ça pour les setups RTSR on devrait pas être emmerdé. Ce sera exactement comme avec le bandit. Et puis bah c'est parti quoi. C'était une barre à 40 kg mais avec une prise d'en main plus large. Prise de main. J'en fais 5 puis je devais en faire une dernière. La 6ème elle est pas passée. Est-ce que t'as quelqu'un derrière toi pour t'assurer que... il n'y a pas d'accident. Non, je passe dans la pierre de Pharos, pourquoi je ramasse? Il y a un mec dans la salle qui m'a vu, il a sprint pour mettre d'accord, bon. Ça, qu'il y a des gens pour t'aider. Ouais, merci à lui, parce que sinon on ne pourrait plus profiter de ta présence, Vanoxys. Hop. Le petit lézard, faut pas le louper, hein. On n'a pas beaucoup de grands fragments. Et lui il en drop, il en lâche un. Alors sur Vadia on a des kamikazes des deux côtés, tac tac. Un grand fragment. C'est pas énorme, hein, mais bon. C'est pas grave.
T'as recontinué au Camille du coup Anoxis ou pas? Parce que du coup dans le cours c'est pas toi qui payais tes courses. Ou j'ai raté une mise à jour je crois. Alors. Donc Vanilla, qu'est-ce qu'on a sur Vanilla? On a un chien. Parce que tu es toujours frustré sur Okami. Quand j'ai plus beaucoup d'argent, et ben d'accord. Okay. Qu'est-ce que ça donne la recherche d'emploi Vanoxis? Je crois que tu devais t'y mettre en début d'année, si je dis pas de conneries. €70 par semaine, c'est ce que je paye pour deux, moi. Et encore pas tout le temps. Est-ce qu'il est mon kamikaze? Il est là. Hop. Je vais me faire contacter par la mission locale, d'accord. Je mange pas beaucoup, hein. Mais pourtant, je prends quand même un petit peu de viande. Parce que moi, j'aime bien la viande, donc. J'aime bien en manger plusieurs fois par semaine. Bon, tu vois, moi, je peux me permettre de manger des pâtes et ça me tient. Ça me tient 2-3 repas, quoi. Tu manges ton compte à calories, j'en sais rien du tout. Je me suis jamais intéressé à ça. Je mange ce que j'estime être nécessaire pour le corps. Merci beaucoup Manso du follow. Y a pas de soucis, t'inquiète. Alors, on s'avance pas trop. Il y a un kamikaze à l'autre bout du pont, mais le jeu l'a pas encore, ne l'a pas encore affiché, donc ça veut dire qu'il est pas aggro. See you, Dedai. Have a good walk. Have fun with the dogs. Tech. Et voilà. Et là, le kamikaze est affiché. Hop. Là, on est bon. Ah oui, j'ai failli oublier. Les flèches en fer. Pour ces fifrelins. Je vais le faire avec un guide. Mais le truc de Sekiro, c'est que le guide, ça va pas masse t'aider. Hein. Sekiro, c'est pas vraiment un jeu où... c'est pas comme les Dark Souls où t'as des builds pétés ou alors des cheese à foison. Bon, t'en as quelques-uns sur Sekiro. Mais... ça va pas vraiment t'aider les guides, je pense. Alors ça c'est possible par contre, mais la plupart des perles en fait sont cachées derrière des mini-boss, donc il y en a pas énormément en fait qui sont trouvables sur la map sans avoir besoin de tuer sans
sans avoir besoin de tuer des boss. Est-ce que t'as pensé à... Parce que je dis ça parce que moi je la première fois je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Est-ce que tu consommes les souvenirs des boss pour augmenter ta posture d'attaque? Parce que la première fois j'ai mis un petit peu de temps à... avant de le faire. J'ai pas compris. Alors on enfile tout ça. On passe aux flèches de feu. Non, ça se garde pas pour autre chose. En fait, vraiment, le seul intérêt, c'est de consommer. C'est de les consommer. Tu peux réaffronter les boss, mais t'as pas besoin d'avoir les souvenirs dans ton inventaire, en fait. C'est juste, tu consommes le souvenir, ça va te rendre plus fort, et tu peux quand même faire le boss quand tu veux, quoi. Donc il n'y a aucun intérêt en fait à les garder dans ton inventaire, sauf si tu veux faire une run type SL1. Déjà ça te rendra un petit peu plus fort. Il y aura peut-être un chouïa moins de frustration sur les boss. Une flèche ici, une flèche là, une flèche là. Hop. On attend que ça crame. Yep. Ok. On va se faire deux charognes. Encore une fois, je rappelle que sur la version PS3, on fait beaucoup moins de dégâts que sur la version PC. Donc on va compenser ça avec une double charogne. Et on va utiliser les résines. Allez, première charogne. Laisse-moi passer, merci. Attention à l'endu. J'ai déjà consommé. Ah merde. En vrai, si vraiment ça te casse les couilles, Sekiro c'est assez facile de juste courir et de pas t'occuper des ennemis en fait. Et c'est pas comme sur les Souls où si tu tues les mobs ça te rapporte des âmes et tu peux devenir plus fort. Là sur Sekiro ça te rapporte un petit peu de thunes, mais vraiment tu t'en fous quoi. Thank you.
voyez pas. On fait attention. Le bras a quand même une hitbox, même, même si le bras a été coupé. On enchaîne tout de suite sur la deuxième. Allez le jeu, merci. Et après ça, on va pouvoir se booster comme un cochon. On fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave, c'est la charogne, on la connaît par cœur. Attention à l'endu. J'aurais pu taper après l'explosion. Alors j'ai un petit peu l'endu. Charogne, un dernier coup, au revoir. Je suis en TV qui prend la tête en même temps. Dans quoi tu bosses, sociopathe? Travailler un samedi. Et alors que je reprenne mes notes. On va retourner à Majula. Ah, la télécom en ligne. Tu dois te taper tous les petits vieux qui ont un souci et qui comprennent pas les trucs simples. Je vois qu'on a pensé à la même chose, Vanoxys. Alors, 25, non, 20, juste 20, juste 20. On pousse la DP, 45 dex. Ah là, là on est bien là. Là on est bien. Les flèches en fer, on rachète les crânes. On va peut-être prendre quelques os au passage.
Hop. On va monter à 500 flèches. Je me garde un petit peu de thunes pour les résines de foudre. Le prochain boss, ce sont les squelettes, mais on va faire un petit peu quelques petits détours avant d'y aller. I'll be around. On va faire quelques détours histoire de récupérer un petit peu de titanite, récupérer notre bien-aimé RTSR et des résines de foudre. Allez, bouge, merci. Alors, pour déclencher l'embuscade sur Vanilla, on explose la porte. Ça suffit sur Scholar, mais pas sur Vanilla. Donc, ce qu'on va faire. Hop, voilà. J'ai beaucoup de viande. Alors, j'en mange pas tous les jours, mais. Généralement, c'est soit 3 saucisses. Deux tranches de jambon slash de rôti. Stock haché, c'est si j'en prends, c'est généralement deux. J'aime bien manger de la viande, ouais. L'autre jour, c'était quand? C'était il y a quelques jours, je suis en. On s'est vu avec Azouk. J'ai pris une bonne entrecôte. C'était délicieux. J'essaie d'en manger 2, 3, 3, ouais, plutôt 3. 3 fois par semaine, 3, 4. 2, 3, 4, ça va dépendre des semaines de ce que j'ai eu la flemme d'acheter ou pas. Quand je vivais chez mes parents, c'était aussi quasiment tous les jours, deux fois par jour. Puis bon, après, il a fallu faire des choix économiques, on va dire. Après je comprends, ouais. Si tu te dépenses plus, tu manges plus. Je dépense pas trop moi, donc j'ai pas ce problème là. Petit déj au steak tartare. Ah non. Pas de la viande au petit déj quand même. J'adore la viande, mais pas à ce point là quoi. Il est pas mort, hein. Non, il est pas mort. Tech. 4 fois World's Strongest Man, il bouffe 250 grammes de steak de bison petit-déj. Putain, petit-déj, quoi. Je pense que ça m'écœurerait au petit-déj. Hein. Très salé au petit-déj, il mange beaucoup. Hop, de charcuterie. Moi je mange pas le matin honnêtement, mais quand je mangeais le matin c'est du sucré. Ah, j'ai fait l'erreur, faut pas que je prenne le feu tout de suite. Parce qu'on a un petit frelin qui peut me rejoindre.
Un jour, je vais prendre le temps de m'intéresser un petit peu au stream et de faire des commandes sonores. Un jour. Alors, on attend que le fantôme se casse. C'est cassé là ou pas? Je sais pas. Inch'Allah, comme on dit. Je vais juste attendre un petit peu, voir s'il m'a pas suivi. S'il m'a suivi, je me casse. Ouais, il m'a bien suivi là. Il m'a bien suivi. Et bien on recommence. Alors attends, si je longe à droite, je pense que je peux me casser. Je devrais retrouver le chemin du retour. Une autre raison pour laquelle je préfère la version scolaire. Version scolaire, tu peux juste tirer sur un arbre et ça attire les mobs. Version Vanilla, non. Alors il est là le petit. On commence. Ah, je dirais qu'on est bon. C'est pas lui dans le fond là? C'est pas genre un fantôme ici là? On va dire non hein. Hey, salut Wenger là. On en prend 9. Et on s'en va, on quitte cette zone de mort. On va faire le setup RTSR. On va choper 2-3 trucs. Alors déjà on va aller chercher l'éclat titanite qui est dans le coffre. Je vais remettre ça au cas où. Pour gagner de l'argent sur la viande, je prends souvent les packs à moins 50 car ça périme peu de temps après. Je les congèle. Hop, l'autrice ramène. Salut Maori. Bon bah bon farm hein, écoute. Tout le monde sait que c'est la partie la plus fun du platine. Qu'est-ce que t'en es dans le farm, Maori?
qu'il te reste beaucoup à faire. Ok, ouais, je suis tombé, c'est pour ça qu'on a l'anneau du chat. On va aller chercher de la titanite. Alors on n'a pas le droit d'être maudit, hein, je rappelle, c'est un hit. Hop, un éclat. On va aller chercher celui que j'ai laissé de côté au ravin noir. Enfin pas au ravin noir mais au dépotoir. Ensuite on va pouvoir monter notre arc et on va enfin pouvoir aller faire les squelettes. Alors c'était pas deux éclats, c'était deux fragments de titanite et un éclat de titanite. Là, si on regarde, j'en ai deux. Donc celui que j'ai récupéré dans le coffre là-haut et celui qui m'a drop. Courbature, c'est ah, c'est quoi? C'est 2 jours. Ça fait combien de temps que t'as fait du sport, Triso? L'expérience c'est au deuxième ou troisième jour que c'est le pire et après ça disparaît. Où est-ce qu'il est le chien? Ça fait 3 jours. Bah je pense que t'arrives sur la fin des courbatures du coup. Ouais mais t'es habitué Triso, Triso il est pas habitué au sport. Kamikaze, on a machin ici, hop hop. Le chien il reste de venir m'embêter. L'âne de la lune noire, guetteur de pharaon et thanatophile. Trois serments à passer niveau 2. Qui dit niveau 2 dit faut farmer 30 items. Allez, on en a fini avec les side quests là. On va pouvoir aller faire les squelettes. Putain, c'est rare ça d'avoir des contacts que sur Xbox. On monte l'arc plus 8. Ah non, pas plus 8, pardon. On n'a pas encore le grand fragment. Il nous manque un grand fragment qu'on chope au bosquet. Et bah let's go en fait. Hein. Du coup, on y va directement. On fait de la nuit hein, donc on devrait être pas mal salé. Toutes les générations de Xbox depuis la 360 alors que la PS n'est que la PS5 depuis. D'accord ouais, donc tous les contacts que tu t'es fait sont encore sur Xbox.
2 litres minimum par jour. Mais c'est énorme, 2 litres. Jamais je bois 2 litres d'eau par jour, moi. Je bois 3-4 verres maximum, quoi. Ce qui est pas beaucoup, hein. C'est pas suffisant, mais 2 litres... Ouais, on parle d'eau, Maori. 2 litres, c'est énorme. Tac, tac. Ouais, un jour, je pense que j'aurai aussi des problèmes de rein, vu comment je bois pas assez. C'est l'avenir qui m'attend, je pense. En été, c'est normal. En été, tu bois beaucoup, mais... Il va me rejoindre. Hop. T'es sérieux? T'es sérieux? Ok, bon bah lui ça sera une flèche en fer, hein, on va pas s'embêter. Ce sera une flèche en fer. Hop. On va faire notre setup TSR. Si c'est foncé, t'es en manque d'eau. Bon, ça va, je bois assez alors. Avec mes 3 verres d'eau par jour. Deux lits de Volvic. Merde, je suis trop court. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je perds 30 secondes. C'est pas comme s'il y avait des ennemis. Eh, c'est pas grave, hop. Deux litres par séance. Ta séance, c'est quoi? C'est une heure? Deux heures? Deux heures trente. Un litre d'eau par heure, je pourrais pas moi. Quel enfer. Le petit zombie là, hop. Qui part en 30 minutes, c'est bête, putain. Après, en vrai, je dis ça, mais c'est vrai que... Quand je fais du sport, je bois beaucoup pendant le sport aussi, mais
Ça m'étonnerait que je sois à 2 litres. Hein. Où est-ce qu'ils sont là, mes petits. Je les ai perdus, où est-ce qu'ils sont? Ah, t'es là, toi. Raté. Je vais laisser s'exciter. Hop. Cours assez vite hein, quand même ces petits fifrelins. L'archer il va être en train de me viser. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est tout là-bas. Eh tiens, bouffe. Lui, normalement, un headshot, ça suffit. Voilà. Il y en a un en haut. Et on est bon. C'est la première fois pour moi que je peux parler de mes préférences en termes de marque d'eau et je trouve qu'elle est... Ah, moi c'est l'eau du robinet, hein, je me fais pas chier. Après je bois beaucoup la nuit. La nuit je bois une petite gourde d'eau, au moins une gourde d'eau par nuit. Alors par contre le jour... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est par là. Hop. Alors essayer de pas louper le petit lézard. Hein. Ça m'évite de me retaper la zone, ce serait pas mal. Ok. Tac tac, on récupère les couteaux de poison. C'est pas bon mais c'est pas cher l'eau du robinet. Mais en vrai la nôtre elle est pas mal. Alors je préfère évidemment de la cristalline hein, quand il y en a, mais notre eau de robinet est pas dégueu. Allez, le fight de la patience. Ouais, mais il n'y a pas de petite économie, hein. Quand on est à 70 euros de plein de course. Je suis pas bien protégé là. Hop, c'est bon.
Là. Ils vont être chiants, ils sont chiants quand ils bloquent. Trop exposé. Bien ramener tes fesses. Voilà. Ouais, deux flèches en bois ça suffit pas. On va faire une petite flèche en fer. Ok. Allez, vas-y, tire, fais-toi plaisir. Les petits trous, on va commencer à la rapière. Ouais, pas de précipitation sur les roues. Hop. Le fight est long mais maîtrisé. Qu'est-ce que je fais ensuite? Après les squelettes. Ouais, si, je crois que je fais un petit détour pour monter l'arc. On va monter l'arc en plus. Je crois que je monte pas les stats. Non, on va juste. On va juste aller monter l'arc et on revient ici tout de suite. Arc plus suite et on s'en va. Si je mérite, si tu occupes sur des actions genre shootout, faut le passer modo, d'accord, ok. On va faire ça. Tiens, attends, d'ailleurs, j'y pense. Est-ce que ça fonctionne? Hello there. Ouais, il fonctionne. Super. Ça va pouvoir spammer la grenouille.
petit bain de poison. Eux, pour rappel, ils n'ont pas appris à viser sur Vanilla. Donc on risque rien. Y a pas de squelette qui peut nous emmerder. Hop, des coups d'empoisonné en plus. Un éclat titanite. Et on s'en va. ...366 flèches, je pense que ça suffira pour l'instant. Là, ça me passe au-dessus de la tête, très littéralement. Là, on risque rien, il n'y a pas de sorcière pour nous jeter des flammes. Hop! On va s'occuper d'eux aussi, sinon ils viennent nous chercher. Ensuite. Allez, vas-y, Coco tombe. Fais comme l'autre. Non. T'as pas envie? Si. Je sais pas, il hésite. OMG. A-t-il découvert les escaliers? Il est un peu bugué quand même. Et alors l'arc va passer là-dedans. On n'utilise pas de résine pour ce boss. Pas nécessaire. Voilà, dans le doute on peut détruire le deuxième. Bon, en vrai j'avais largement le temps de l'achever. Ici, si j'avais pris un hit il n'y a pas très longtemps, il faut juste faire preuve de patience. Si j'ai armé les archers tout spot. Hop. Alors j'attends de voir s'il a été bait. J'ai pas l'impression, on y retourne.
Scholar, on voit la barre de vie s'afficher s'il a été touché. Sur Vanilla, c'est pas le cas. Ok. Allez, par ici, Coco. Voilà, le voilà. Et on a un autre au sommet. Ensuite, les deux ninjas. On va essayer d'être les deux en même temps parce que l'autre fois il y a eu une petite frayeur. Donc il va pas me suivre jusqu'au bout, il va finir par repartir d'où il vient. Ou pas. Ah, il s'est jeté dans le vide du coup. Ça fonctionne aussi. On va brûler le moulin. Alors, idéalement avec une torche, hein, sinon je vais pas aller très loin. Ici, il n'y a personne. Ah, il y a un petit peu plus de monde sur Scholar. Ah, sur Vanilla, c'est assez chill. Bon, je vais pas aller chercher le feu, hein, du coup, comme on reset à chaque hit. On va plus s'embêter avec ça. Ah, je pense que lui va m'embêter. Non, c'est bon. Bon, Mita, donc cette fois-ci on n'a pas de résine. Hein. On n'a pas de résine de foudre. Elle est résistante. Enfin, on n'a pas de résine de feu. Elle résiste à la foudre, donc. Pas de résine. On y va juste avec notre rapière plus 3. Ça, voilà, ça c'est la raison pour laquelle il faut rester un petit peu éloigné quand même de Mita. J'ai pas réussi à finir correctement. C'est pas grave. La charge est bien parce que ça laisse une opportunité d'attaque, deux opportunités d'attaque. Et il y a moyen qu'elle enchaîne avec son coup de queue. Hop là, Mita. Ça se passe bien au moment
en ce moment sur Mita. Qu'est-ce qui se passe là? Alors je m'en vais, hein, après Mita, je vais faire... ouais, c'est ça, je vais monter les stats. Alors ça a été voté par les runners DS2, tu peux te faire empoisonner dans l'arène de Mita. Si t'as un RTSR, c'est quasiment une condamnation à mort, mais voilà, si tu te fais empoisonner, ce n'est pas un hit en soi. Donc tu peux tout à fait faire Mita dans le poison, hein, si tu... si c'est ton kiff. Voilà, c'est un peu comme le feu de... dans l'arène de la Charonne, c'est pas... c'est pas du poison qui dépend du boss. Le poison existe en dehors du boss. Donc ça compte comme des dégâts environnementaux. Madame, bonjour. Hop. Direction la forteresse. Ouais, ça aurait pu, Triso. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont proposé un vote. Sans doute, car tu peux le voir comme un piège. Mais du coup, non, la communauté a décidé que non. Euh, 279 flèches, on va dire que ça ira. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire des achats. J'ai mon anneau de pierre. Pas d'envahisseur sur Vanilla, on fonce. On a un assez long chemin à faire jusqu'au boss. Hop, on va tirer celui qui est à l'autre bout. Ensuite, on va s'occuper de lui. On achète la poudre de réparation à Magherold. Flèche de feu, très utile sur les tortues. L'archer va pas me calculer. Hop. On fait gaffe à l'archer qui est planqué juste dans le coin. Ensuite, on doit juste s'occuper de l'autre archer. Il n'y a personne d'autre sur le chemin.
lui, il va pas nous suivre très longtemps. Donc, si jamais on arrive pas à le tuer tout de suite, c'est pas grave. Hop, de toute façon, la question ne se pose pas. On va s'occuper de lui aussi parce que c'est le chemin qu'on va emprunter. On va bientôt pouvoir récupérer la braise. Donc il reste un archer ici et après on est tranquille. J'oublie personne, hein, normalement. Ouais, non, normalement, on a tué tout le monde. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une échelle quelque part par ici dans ce collar. Pour aller chercher la braise. Ça va devant ? J'adore perdre des drones sur des conneries de speedrunner de merde. On va se prendre le saut, hein, puis bah on reset. Enfin, on reset. Il est 14h, j'aurais pas le temps de terminer une run. Donc on va juste couper, je pense. Faut que je parte assez tôt ce soir, j'ai des... Je dois retrouver des amis. On va pas pouvoir faire la run complète. Alors on va pas tuer autant de monde, hein. On va pas se faire chier, on va pas avoir besoin de tuer tout le monde pour pratiquer le saut. Tac tac. Toi. Ah, ça risque d'être un peu plus chiant par contre de tuer le l'archer qui est là-bas. Parce que là je ne suis pas protégé par le pont.
pense qu'il va quand même falloir l'esquiver. Ouais. Parce que là, il a une bonne. Il a un bon angle de tir. Il danse dans Vanilla, les mobs. Tac. Ok. Eux, on va pas s'en occuper. Alors si je saute tout droit là. En fait ce qui me fait peur c'est le risque de baby jump. Je sais pas à quel point ça peut me niquer ça. T'avais une petite salsa de typo en essayant de te courir dessus. Je sais pas si c'est propre à Vanilla ça. Je pense que c'est Dark Souls 2 en général. J'ai hâte de faire du speedrun hein, pour reset toutes les 5 minutes sur des conneries. Pour des conneries comme ça. Il a pas voulu faire l'attaque. Il a pas voulu faire l'attaque sautée. Franchement, je vais juste aller me faire foutre en fait. Bon, du coup, bah, ça va être lancé de pièce, hein. Pile, tout se passe bien, face, je reset. On adore. Bonjour messieurs. Attention, waza. Ah c'est presque bien. Allez, ça dégage. Et mécanique mystique, ouais. Il y a deux choses qui peuvent me niquer. Déjà, il y a le risque de baby jump. Et il y a le risque que. Visiblement, il fasse pas une attaque sautée. Bah, de base, c'est ce que je faisais. Un saut un petit peu de côté. Parce que là le personnage a pas voulu sauter, c'est pour ça que j'ai pris le. C'est pour ça que je suis mort la première fois. On va voir hein, on va tester. Dieu bénisse Save Organizer. Hein. Quand je ferai la speedrun, je pense que ce que je vais faire pour pas me tailler les veines, je vais faire genre une run par jour et après je passe à quelque chose d'amusant. Comme ça je deviens pas fou.
Non mais ou juste d'autres Run Souls aussi, tu vois, genre je fais au lieu de faire une heure de training comme vous faites, je fais une heure de speedrun et après je passe à autre chose. Genre par exemple je fais ma run DS3, je commence par une run speedrun. On est bon, on est bon. L'idéal ce serait que je saute comme ça en fait. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire la première fois où je suis mort en fait. C'était un jeu d'horreur. J'ai fait le Outlast. Mais je joue pas trop aux jeux d'horreur en dehors de ça. J'essaie de pas faire d'attaque sautée là, voir ce que ça donne. Par là, on pourra s'aligner comme ça. Non, ok, c'est nul. Ça passe plus que ça ne casse, hein, mais devoir faire un lancer de pièces à 2 heures de run. C'est pas le top du fun, on va dire. Hop. Ça, c'était un petit jump, ça. Je pense que même s'il y a baby jump, c'est pas trop grave. Hop, on se met là, tac tac. Hop. Dans l'ensemble le saut on l'a hein, mais bon. Après j'ai l'impression que j'ai pas sauté en fait quand je suis mort, donc je sais pas si ça vient de moi. Est-ce que c'est l'input qui a été mangé? Est-ce que j'étais trop près du bord quand je l'ai fait ou pas? Et là je saute hop, quand je suis sur la rambarde. Petit Dead Space, ouais, j'ai jamais fait Dead Space. Ouais ça ok, ça c'était vraiment un petit saut. On a quand même réussi à passer. Okay, bon, je pense qu'on va dire que ça va. Ouais, j'ai entendu dire que dans l'ensemble c'était un bon remake. Mais en vrai, ouais, ce serait peut-être pas mal de faire des petits trucs entre des run no hit au lieu de les enchaîner. Bon, j'ai pas le temps de refaire une run,
du coup, faut qu'à 17h je parte et bon, la run fait quand même 4 heures, hein. Puis ça me ferait chier de couper une run All Souls en deux. Ah bah je sais qui c'est qu'on va aller voir, tiens. Je sais qui on va aller voir, on va aller voir Dedai. Ou pas. Ah si, c'est bon, hop, voilà, il est là. Dedai finit sa SL1, no upgrade, no infusions sur la All Souls. Je crois qu'il est sur Vanilla, ouais, il est sur Vanilla. On va aller lui faire un petit coucou. Je pense que je streamerai demain. Cette fois-ci, j'aurai un peu plus de temps, donc on va essayer de faire une run vanilla complète demain. Et par là, j'entends essayer de choper la run. Bon, on est mort deux fois, on est mort deux fois sur la gravité, hein. Ça en dit long sur sur nos talents de. Ça promet du beau pour le speedrun en fait. Merci à toi Maori, merci à tous. Je vais vous souhaiter très bonne après-midi. Et puis à demain. Puis ouais, voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être mis au courant de quand est-ce que je lance des lives. Allez, des bisous, je vous envoie chez Dedai.